Salut gamer, bienvenue à Professeur Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui à Board Game Star, on va regarder un tout petit jeu, le jeu King Domino, publié en 2016 par Blue Orange Games. C'est un jeu qui nous vient de Bruno Catala, qui a tout récemment gagné le Spiel des JR de 2017 pour le jeu de l'année en Allemagne. C'est un jeu qui joue de 2 à 4 joueurs et qui va durer environ 15 minutes. Le but du jeu va être de marquer le plus de points qu'on construit un royaume en plaçant des tuiles qui sont en forme de domino pour essayer de faire le plus de points possible pour remporter la partie. Pour les mécaniques de jeu, on va avoir du placement de tuiles. Donc, on va placer ces tuiles-là qui sont en forme de domino, qui vont souvent avoir deux paysages différents dessus, des fois deux fois le même paysage. On va essayer de les placer pour les agencer de manière à marquer le plus de points. Donc, on va aussi avoir du recrutement de tuiles. Donc, à chacun des tours, on va avoir un certain nombre de tuiles qui vont être révélées sur la table et les joueurs vont, à tour de rôle, choisir une des tuiles avec leur pion de roi pour éventuellement la construire dans leur royaume. Et on va aussi avoir un ordre de tour variable, donc l'ordre de tour va changer à tous les tours, dépendamment quel domino on va avoir choisi de recruter là, au dernier tour. Celui qui prend le plus haut va commencer au prochain tour, et ainsi de suite. Alors, King Domino, je vous montre comment ça joue, puis ensuite je vous dis ce que j'en pense. On va aller pour une mise en place à 4 joueurs. Donc, premièrement, chacun des joueurs va recevoir une tuile de départ qu'il va placer devant lui. Sur cette tuile, il va lui placer son château qui va correspondre à sa couleur. Et ensuite, il va recevoir un pion pour représenter son roi. Si jamais on fait une partie à 2 joueurs, les joueurs vont recevoir 2 pions rois. Donc, ils vont jouer 2 fois à chacun des tours. Par la suite, on va préparer les dominos qu'on va utiliser pour la partie. Dans une partie à 4 joueurs, on va utiliser tous les dominos qui sont dans le jeu. Si jamais on joue à 3 joueurs, on va en retirer 12. Si jamais on joue à 2 joueurs, on va en retirer 24. Et on va faire la partie avec le restant. Donc, on va les placer, on peut les laisser dans la boîte de jeu pour qu'ils soient placés de façon à ce qu'on ne les voit pas. On va prendre 4 dominos qu'on va sortir de la boîte et on va voir qu'il y a sur le verso de chacun des dominos un numéro qui va correspondre à la tuile. Donc on va les placer ensuite en ordre croissant, donc 14 en premier, 35 en deuxième, 37 en troisième et 47 en dernier, et par la suite on va les retourner face visible. Donc on va voir les différents paysages qui peuvent se retrouver sur les dominos. Donc généralement on va avoir 2 paysages différents sur des dominos et on va avoir certains dominos qui vont avoir des couronnes. Les joueurs peuvent utiliser le verso du livre de règles pour voir la distribution de tous les dominos et le nombre de fois que les différents paysages vont revenir, et aussi le nombre de fois que les paysages avec des couronnes vont revenir dans le jeu. On va par la suite déterminer le premier joueur. Donc on prend les pions rois de tous les joueurs et on va les laisser tomber un par un. Donc le joueur jaune va jouer en premier, ensuite le joueur vert, le joueur rose et finalement le joueur bleu. Donc ça va être l'ordre de tour de jeu pour le premier tour de la partie. À son tour de jeu, le joueur va prendre son pion roi et va le placer sur une des 4 tuiles de domino disponibles pour ce tour de jeu. Donc ça va être la tuile qu'il va éventuellement construire dans son royaume. Donc on pourrait choisir la tuile qui est ici. Ensuite, le deuxième joueur va faire la même chose, il va choisir une des tuiles restantes. On ne peut pas aller sur une tuile où il y a déjà un pion roi, donc on pourrait choisir la tuile en bas ici. Le joueur rose pourrait choisir la tuile ici. Et le joueur bleu, malheureusement, n'aura pas le choix de prendre la tuile restante. Une fois que les 4 joueurs auront sélectionné une tuile de domino, on va sortir de la pioche de domino 4 nouveaux dominos qu'on va encore révéler avec les numéros. Oh, seulement 4. Et on va encore les placer en ordre croissant, donc 7, 17. 34 et 42. Une fois qu'ils sont placés en ordre croissant, on va les révéler. Donc ici, vous voyez, j'ai un domino qui a 2 fois le même paysage. Et par la suite, on va commencer le deuxième tour de jeu. Par contre, l'ordre de tour de jeu ne sera pas le même qu'au début. Donc l'ordre de tour de jeu va se faire en ordre selon le choix des tuiles du dernier tour. Donc comme le bleu a la tuile la plus haute, la tuile qui a le chiffre le plus petit, c'est lui qui va choisir en premier. Donc il va choisir une des 4 tuiles qui est disponible ici pour revenir choisir celle-là parce qu'elle a beaucoup de couronnes. Et il va ensuite prendre sa tuile qu'il y avait son pion roi dessus et il va aller la placer dans son royaume. On va revenir tantôt sur les règles de placement. Le joueur jaune va faire la même chose, va aller se choisir une tuile, va aller placer celle-ci dans son royaume. Le joueur rose va aller choisir une tuile, va placer celle-ci dans son royaume. Et le joueur vert va prendre la dernière tuile
et va placer celle-ci dans son royaume. Par la suite, on va encore une fois sortir 4 dominos qu'on va placer en ordre croissant. Donc 4, 5, 16 et 28. On va les révéler et ensuite on va tout simplement commencer un autre tour de jeu. Cette fois-ci en commençant par le joueur rose et on va faire des tours de jeu jusqu'à temps que tous les dominos aient été utilisés. Lorsqu'on a placé des dominos dans notre royaume, on a certaines règles de placement à respecter. Premièrement, les quatre côtés autour de notre château sont des tuiles comme choker. Donc on peut mettre n'importe quel paysage autour de notre château. Évidemment, sinon on ne pourrait pas commencer notre royaume. Donc je pourrais placer ma tuile comme ça ici, ou je pourrais venir la placer ici, ou comme ça. Donc peu importe le paysage qui va être représenté, on peut le placer vis-à-vis son château. Par la suite, les autres tuiles qu'on va venir placer, il faut qu'un des deux paysages soit correspondant. Donc si j'ai la tuile ici et je vais venir la placer, je ne peux pas la placer comme ça parce qu'il n'y a aucun des deux paysages qui est correspondant. Donc il faudrait que je la place comme ça ici à côté. Donc ici, les deux champs sont correspondants et c'est pas grave si l'eau et le marais se touchent par la suite. Une autre chose qu'on doit respecter, c'est que notre royaume ne peut pas dépasser 5 par 5. Donc, si je continue à venir placer des tuiles, mon royaume continue de s'étendre et éventuellement, je pourrais avoir une tuile comme ça. Donc, je ne pourrais pas la placer au bout parce que là, je vais avoir 6 tuiles de long. Donc, je ne peux pas dépasser 5 tuiles. 1, 2, 3, 4, 5. Ça veut dire que je vais faire un carré comme ça ici. Mon château n'est pas obligé là, d'être au centre de mon royaume. Au fur et à mesure que la partie progresse, mon royaume va continuer de grossir. Et si j'arrive pour placer la tuile suivante, donc ici j'ai une mine et un marais, et j'ai aucun endroit où je peux venir la placer, là, parce que mes marais sont déjà coincés dans des coins, et que je n'ai plus aucun côté disponible autour de mon château pour avoir des jokers, j'ai pas de mine non plus pour venir la connecter, donc je peux la placer sur aucun endroit. À ce moment-là, la tuile va être simplement défaussée, donc on ne pourra pas la placer dans notre royaume. Et ça va faire qu'à la fin de la partie, ben là, on va avoir un trou dans notre royaume, une tuile qu'on n'aura pas pu placer. À ce moment-là, on va marquer moins de points, évidemment. Si je viens placer une tuile ici, évidemment, la prochaine, s'il m'en reste une à choisir, ben comme j'ai deux trous comme ça, c'est clair que je ne pourrais pas la placer. Donc, peu importe c'est quoi, même si j'aurais eu des terrains correspondants, ben à ce moment-là, elle va aussi être défaussée et je vais avoir un trou dans mon royaume à la fin de la partie. Lorsque toutes les tuiles de dominos qu'on avait placées pour la partie sont utilisées, on va passer au décompte final. Donc les joueurs vont regarder les différents domaines pour chacun des terrains qu'ils ont. Donc ici j'ai ma forêt qui va pouvoir marquer des points, j'ai ma grande plaine qui est ici, j'ai mon océan qui est là. Donc les joueurs vont tout simplement compter le nombre de cases qu'il y a dans le domaine. Donc ici dans mon eau, j'ai 3 cases et je vais multiplier par le nombre de couronnes. Donc j'ai 2 couronnes, donc 3 fois 2, ça veut dire que mon domaine d'eau vaut 6 points. Par la suite, mon champ, donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cases. Et je vais 2 couronnes, donc 9 fois 2, ça va faire 18 points pour mon champ qui est ici. Ici, ma plaine, j'ai 1 case fois 0 couronne, donc ça fait 0 points. Même chose pour mes deux tuiles de mes deux cases de marais qui sont ici. Donc, je n'ai pas de couronne, donc ça donne pas de points. Ma forêt, donc j'ai 6 cases fois 1 point fois une couronne, ça fait 6 points. Donc, ça me ferait un total de 6 plus 6 plus 18. Ça me ferait un total de 30 points. Si, par exemple, je n'avais pas placé ce domino-là, mais si j'avais placé ici, ça à la place, même si j'ai une belle grande forêt, donc s'il n'y a aucune couronne dedans, ça va valoir 0 point parce qu'on va faire 7 fois 0, puisqu'il y a 0 couronnes, ça va faire un total de 0. Donc c'est important d'aller chercher des couronnes si on veut marquer des points avec nos différents territoires. Le joueur qui va avoir le plus de points va remporter la partie. Si jamais on a une égalité, c'est le joueur qui a le plus grand domaine. Donc ici, j'aurais quand même un champ avec 9 cases, qui est quand même une bonne grandeur pour aller en bris d'égalité. Si jamais un bris d'égalité perdure, ça va être le joueur qui a le plus de couronnes sur son royaume qui va l'emporter.
Il existe quelques variantes qui vont acheter des règles optionnelles. Je vous suggère même de peut-être utiliser quelques-unes de ces règles pour vos premières parties pour ajouter un petit peu de piquant. C'est quand même un jeu qui est relativement simple. Donc, premièrement, comme c'est un jeu qui joue en 15 minutes, on pourrait faire un mode dynastie. Donc, c'est de faire comme un 2 de 3. Donc, on va jouer 3 manches. Celui qui va remporter le plus de manches va gagner la partie. Ensuite, on a le mode empire du milieu et harmonie qui peuvent ajouter deux façons différentes de marquer des points. Donc, l'empire du milieu, si je finis mon royaume et que mon château est au centre de mon royaume, je vais marquer un bonus de 10 points. Et pour le mode harmonie, si je réussis à placer un royaume complet, donc j'ai pas aucun trou dedans, j'ai pas eu défaussé des dominos pendant la partie, je vais marquer un bonus de 5 points en fin de partie. Et finalement, on a le mode grand duel qui se joue à deux joueurs. Normalement, dans une partie à deux joueurs, on utilise la moitié des dominos qui sont dans le jeu. Alors que pour le grand duel, on va utiliser tous les dominos. Mais au lieu de faire un royaume de 5 par 5, on va faire un royaume de 7 par 7. Donc ça fait un méga royaume épique. Et évidemment, on peut ajouter les règles, encore une fois, du milieu avec le point, les 10 points bonus ou l'harmonie si jamais on complète nos royaumes avec toutes les tuiles, donc sans aucun trou pour le 5 points bonus. Donc, c'est des petites variantes qu'on peut ajouter à nos parties là, pour ajouter un petit peu plus de piquant. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à King Domino. Je vous reviens avec mon opinion personnelle. Qu'est-ce que je pense du jeu King Domino? Si on regarde les points positifs, premièrement, le matériel dans le jeu, c'est impeccable. La qualité des tuiles, des dominos, l'épaisseur. C'est des matériaux, ça me fait penser un peu à des casse-têtes pour enfants, là, avec des morceaux super épais. Donc c'est clair que ça se brisera pas dessus, donc très bonne qualité de matériel. Même chose pour les petits meeples de roi qui sont vraiment cool. Les châteaux, il faut les assembler quand on les reçoit. Après ça, on peut rentrer dans la boîte là, facilement, donc c'est très bien pour le matériel. Pour le côté visuel, j'adore le visuel. C'est un jeu qui est très coloré, donc on voit toutes les couleurs des différents paysages dès le premier coup d'œil. Et en plus, si on s'attarde aux détails qui sont sur les tuiles de domino, donc on va remarquer qu'il y a des petites variantes. Donc, c'est pas toutes les forêts qui sont pareilles, c'est pas toutes les marais qui sont pareils. Ici, j'ai un marais avec une sorcière. Il y a un champ qui a un nombre de dragons. Donc, il y a plein de petits détails le fun quand on s'attarde à regarder ça. Donc, je trouve que c'est bien qu'ils aient pensé à faire ça, des petits dessins artistiques différents sur chacune des tuiles, des petits clins d'œil à certains éléments. Donc, vraiment bien, vraiment cool pour le côté artistique. Ensuite, c'est un jeu qui est hyper simple, donc vous avez vu les règles, c'est pas très long à expliquer. C'est un jeu qui en fait un parfait jeu d'introduction, soit pour initier vos enfants, donc il y a beaucoup, beaucoup de familles qui jouent à King Domino, qui ont initié leur enfant avec ça. Ça s'apprend super bien, puis c'est un jeu aussi que l'enfant, il peut quand même rivaliser là, avec un adulte, c'est pas un jeu hyper stratégique, donc ça peut y laisser une chance, donc c'est vraiment le fun aussi pour lui de voir qu'il est capable de gagner ou de l'emporter dans ce jeu-là. C'est un jeu qui est très rapide, donc une quinzaine de minutes, c'est vraiment ce que ça va durer une fois qu'on connaît les règlements. Peut-être une vingtaine de minutes pour notre première partie, le temps d'assimiler qu'est-ce qui se passe puis comment on doit placer nos tuiles. Mais sinon, une quinzaine de minutes, fait que souvent on va jouer une partie, on en joue une deuxième, ou on va faire le 2-2-3 comme j'ai parlé dans les variantes. Donc on va couronner le gagnant sur un 2-2-3. Donc c'est vraiment bien. Les règles optionnelles, moi je vous suggère de les inclure dès le début, donc d'avoir le château au milieu pour le 10 points bonus, d'avoir le royaume complet pour 5 points bonus. Moi je suggère de toujours jouer avec ces deux règles-là, donc ça rajoute un petit challenge de plus. Si vous jouez avec votre enfant, vous pouvez ne pas inclure ça là, pour pas trop complexifier la chose non plus. Mais si vous jouez entre adultes, ben allez-y tout de suite avec ces règles-là dans le jeu. Pour l'interaction entre les joueurs, je trouve que c'est un jeu qui est quand même bien pour l'interaction. C'est un jeu où il faut regarder un petit peu ce que les autres font aussi. OK, qu'est-ce que lui fait dans son royaume? OK, selon les dominos qui sont disponibles, ben, il va essayer d'aller chercher lui. Mais là, si je le laisse lui, il va avoir beaucoup trop de couronne dans sa grosse forêt. Ça va avoir ben trop de points. Donc des fois, faut jouer en conséquence des autres. Donc faut essayer d'aller peut-être empêcher quelqu'un d'avoir le monopole sur un domaine parce qu'il va avoir beaucoup trop grand de territoire, puis s'il réussit à avoir une coupe de couronne, mais ça va être ben trop payant. Donc des fois, tu peux faire une partie puis que tu as un ou deux ou trois terrains à marquer,
Mais t'en as un qui est tellement grand qu'il va te donner comme 80% de tes points vont venir de ce territoire-là. Donc, faut faire attention quand on joue avec d'autres joueurs, de vraiment regarder ce qui se passe autour. Puis des fois, de jouer en conséquence, ok, ben, c'est peut-être pas la tuile la meilleure pour moi, mais en même temps, je vais pouvoir empêcher lui de marquer beaucoup de points. Donc, d'aller chercher une tuile qu'un joueur voudrait peut-être avant nous autres. Ce qui est le fun aussi, c'est que l'initiative change tout le temps à chaque tour. Donc, c'est intéressant. Des fois, on a des tuiles, ok, entre ces quatre-là, ça me dérange plus ou moins, il n'y a pas vraiment rien de très intéressant. Mais là, je vais aller me placer sa première parce que je vais avoir le premier choix au prochain tour. Donc ça, c'est vraiment le fun. Pourquoi on les classe en ordre croissant? C'est aussi intéressant parce que les tuiles sont numérotées et les tuiles qui ont le plus de couronnes, qui ont les mines, c'est les numéros les plus hauts. Fait qu'ils vont toujours être plus basses dans l'ordre. Donc évidemment, quelqu'un va aller chercher les mines, mais ben, il va jouer en dernier au prochain tour parce que c'est les tuiles vers le bas. Fait que ça équilibre un petit peu aussi cet aspect-là du jeu. Donc c'est bien pensé. Puis c'est pas trop compliqué là, dans le placement là, de placer les quatre dominos en ordre avant de les retourner. Pour les côtés négatifs, c'est pas un jeu qui est très stratégique. Oui, il y a un petit peu de stratégie, mais c'est pas un jeu d'une énorme profondeur. Donc, si vous attendez un jeu de placement de tuiles très, très stratégique, très avec des grosses décisions, c'est pas le cas. Mais c'est plutôt un jeu qui vise les jeux comme un jeu d'introduction, jeu familial, jeu pour initier vos enfants et tout ça. Je sais qu'il y a une autre version qui s'en vient éventuellement, donc il va être Queen Domino. Je pense que ça va être un standalone. J'ai hâte de voir. Bon, ça va être inspiré du système de King Domino, mais j'ai hâte de voir où ça va l'amener. Donc, King Domino. Je vais lui donner une belle note de B, donc un bon jeu. Un bon jeu simple, rapide, accessible, fun. Un jeu avec du matériel qui est vraiment beau. Un jeu vraiment pas cher, donc il coûte une vingtaine de dollars. Donc, c'est vraiment très bien pour ce qu'on a, pour le prix qu'on va aller payer. Donc, si vous n'avez pas encore essayé ça, ben là, allez tout de suite acheter King Domino. Je pense que c'est le genre de jeu qui devrait être dans toutes les collections de jeux, justement pour initier des nouveaux joueurs, pour jouer avec vos enfants. Donc, il va avoir toujours sa place, ce petit jeu là, de placement de tuiles-là. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez le faire en cliquant sur le petit bonhomme ici en bas. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter ou Instagram à Professeur Board Game. Venez nous visiter sur notre site web passionboardgames.com. Avant de vous quitter, je voudrais dire un gros bravo à M. Bruno Catala pour son prix au Spiel des JR 2017 pour le jeu de l'année en Allemagne, qui est probablement le prix le plus prestigieux dans le domaine des jeux de société. Donc, félicitations Bruno. Donc, j'ai hâte de voir ce que tu vas nous sortir dans les prochaines années. Je vous souhaite une excellente fin de journée et continuez de gamer.